Hey yo les amis, c'est Rigo les amis, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui les potes, on va aller rénover la nouvelle maison. Car les amis, dans la précédente vidéo, on avait acheté une nouvelle maison dans la ville. Et on va aller tout simplement la rénover car les potes, il y avait des petites moisissures dessus, il y avait des pierres et moi j'aimerais rénover tout ça. Et donc je suis trop content, ça va être une des plus grandes vidéos je pense de la maison, la plus grande vidéo de la maison, de la nouvelle maison. Ce qu'on va faire les amis, Manon, Looping et Marc, ainsi que Roberta et Jean-Michel sont dans le coffre. Maintenant il reste plus qu'à aller à la nouvelle maison. Et du coup, la nouvelle maison, attendez, ouais, elle parle, il faut faire demi-tour, il faut que je m'habitue, hein. Donc les thunes, je vais juste un petit peu les baisser, on va les mettre, voilà, comme ça. On va maintenant, les potes, aller vers la nouvelle maison, je suis trop content. Donc ça va Manon, Marc, Looping, Jean-Michel et Roberta? Je pense qu'ils, ouais, ils vont super bien. Donc là, c'est rouge, on attend. Let's go. Donc je suis de trop bonne humeur, je suis trop content de faire cette vidéo. Merci aussi pour les 416 abonnés les potes, ça me fait super plaisir. Et ça m'encourage énormément pour les vidéos, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez aussi vous liker, abonnez-vous, merci pour tout, en tout cas ça fait super plaisir. Et aussi, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. D'ailleurs on arrive, regardez, près de la mairie, c'est près de la mairie la nouvelle maison. Si vous voulez me soutenir et que vous n'avez pas les moyens ou que vos parents ne veulent pas, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre mon don. Ad Focus qui ne marche qu'une fois et qui me rapporte 2 centimes normalement par personne qui clique. Donc voilà. Donc regardez, on arrive, c'est près du bâtiment gris là. Le grand bâtiment. Le plus grand bâtiment. Donc voilà. Là, on s'arrête. C'est pas un exemple, ne faites pas ça dans la vraie vie les potes, c'est bon. Il y a personne, on peut y aller. Et là, c'est par là. C'est par là. Et c'est la maison. La maison, vous allez voir, la maison grise. Donc c'est prêt. Voilà, regardez, on la voit, la maison en pierre. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est vert. Attention, il y a un cochon. Hop, on s'arrête. On respecte le code de la route. Voilà, regardez, il y a même l'hélicoptère, mais il y a personne, donc ça va. Et je suis trop content, on va, pour la première fois, on garde notre voiture devant notre maison. Et le garage, faudra aussi le remplacer pour qu'on puisse l'ouvrir avec des mods qui sont en modé. Voilà, c'est bon. Let's go. Donc vous voyez la matière, c'est de la pierre. Et d'ailleurs je vais sortir Manon, Looping et tout le monde du coffre. Attendez. Les potes, tout le monde est là. Regardez, on a Looping, Manon, Jean-Michel, Roberta et Jean-François. Enfin il s'appelait Jean-François ou Jean-Michel, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà. Donc ils vont attendre tous là, hein. Ils vont attendre ici. Les potes, ce qu'on va faire, regardez, j'avais prévu je pense pour la maison, pour la rénover. Au milieu de la pierre, on va tout remplacer par du béton gris clair. Honnêtement, c'est mon pan, je pense mon préféré pour la maison pour l'instant. Et j'aime bien. Donc je pense qu'on va mettre ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre pause dans la vidéo et vous abonner si vous aimez mon contenu. Ça me ferait super plaisir. Et du coup, les amis, on va tout remplacer. En attendant, on va tout remplacer. Par contre, je pense que je vais devoir faire une petite coupure. Je vais juste faire un petit peu ce mur là. Les amis, je vais faire une petite coupure. Dès que j'ai fini de tout remplacer, je vous retrouve à dans quelques heures. Les amis, regardez-moi ça. J'ai fini de remplacer tous les sols, enfin tout le truc que je voulais pas. Il y a plus de moisissures. Je vais rentrer dans la maison, je vais vous montrer quelque chose. J'ai même remplacé les murs qui étaient en un petit peu de sang. C'était le 112, le nom du bloc, c'était... Voilà, mais j'ai mis du béton gris comme ça. Et regardez, ça rend juste trop bien. Je trouve ça magnifique. Franchement, je suis super content du résultat. Maintenant, ce qu'on va aller faire, les amis, c'est tout simplement mettre un vrai garage et remplacer le sol du garage. Car, les amis, il faut un vrai garage, les potes, parce que sinon, voilà. Donc, le garage, je pense que là, je vais laisser comme ça. Et je vais mettre un vrai garage. Un vrai garage, voilà, on va mettre là, tac, et du coup ça sera environ de 3-4 de haut, donc voilà, hop, faut monter un petit peu là, on va réussir, hop, let's go, allez, faut qu'on réussisse, je vais un petit peu monter comme ça, attendez, je vais un petit peu monter comme ça, voilà, ok c'est bon, maintenant il ne reste plus qu'à faire un bloc, voilà, let's go, c'est bon, regardez maintenant on a un vrai garage, c'est bon. Eh, ça rend beaucoup mieux déjà. Franchement, je suis content, je me sens déjà beaucoup plus chez moi là, tu vois. Je vous avais dit que le début, il n'y avait pas tout le monde qui aimait. Mais là maintenant, tu vois, là maintenant c'est bon. Du coup, cette porte-là, on va plutôt mettre une porte. J'aurais dit
comme ça, voilà, la torche on va l'enlever. Tac, et on va mettre un bouton qui va permettre d'ouvrir le garage. Regarde, on va le mettre là. Non, là. Voilà, on va en mettre deux même. J'aurais dit même un, voilà, c'est bon. Et on va aussi remplacer le sol du garage. Moi, j'aurais dit, on pourrait mettre en vrai un sol pour un garage, en vrai, de vrai. On va un petit peu explorer les blocs. Mais n'hésitez pas à me proposer, à me dire ce que vous aurez mis, vous, si ça aurait été votre maison. J'aime bien un peu savoir, avoir vos avis. J'aurais dit, après, du béton pour un garage, c'est le mieux. Moi, j'aurais mis du béton blanc, honnêtement, pour un garage. Donc, on va mettre, vous savez quoi? On va mettre du béton blanc. Je pense qu'on va mettre du béton blanc. C'est le mieux à faire, je pense, pour un garage. Ok, donc on va tout détruire le sol. On va tout enlever. Tac, tac, tac. On va essayer d'à peu près tout enlever. Et on va remplacer par du béton blanc. Comme ceci. Je trouve que ça fait déjà plus garage. Après, c'est ma maison. Vous faites comme vous voulez si ça aurait été la vôtre. J'aime bien un peu avoir vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire comment vous aurez fait vous. Mais moi, j'aime bien en béton blanc. Aussi, au mieux de la. On peut laisser la stone, je pense, pour le moment. Regardez, le garage, il souffre. Franchement, je suis trop content. Et du coup, bah, c'est bon pour le garage. On va pouvoir attendre rentrer la voiture dans le garage maintenant. C'est vrai qu'on va pouvoir rentrer la voiture dans le garage. Let's go. Donc, on va rentrer ça. On va voir s'il y a assez de place ou pas. Hop. Est-ce qu'on va. Ouah, les potes. Ça fait glisser la voiture, le béton. Je savais pas. D'accord. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, voilà. Je crois que c'est bon. La voiture, elle va s'arrêter, c'est bon. Regardez, on a assez de place, c'est bon. Par contre, j'ai détruit un escalier sans faire exprès. Mais regardez, on a tout juste de la place, quoi. Voilà, vous voyez, la voiture, elle s'est complètement arrêtée. Let's go, on a notre garage, les potes, je suis content. Donc, les amis, regardez, j'ai fait un truc. Je fais un truc là. On va mettre une clé de serrage, au moins pour la voiture, on pourra, si on veut, mettre. Voilà, on pourra la réparer quand on veut. Et là, on va mettre. Des lampadaires. Enfin, un lampadaire. Ça s'appelle pas un lampadaire, c'est un switch light. Vous l'appelez comme vous voulez. J'ai appelé ça un lampadaire. Ça veut pas dire grand-chose, mais voilà. On va en mettre qu'un, je pense. Voilà, au moins on verra mieux, je trouve. Et maintenant, ce qu'on va faire aussi, avant de terminer la vidéo, on va aller rénover le jardin, les amis. Les potes, on va aller repasser. Regardez, là, c'est de la pierre. Ok, ça, je veux bien laisser. Le problème, c'est que c'est de la pierre vraiment toute. Voilà, toute fissurée. Donc, je pense qu'on pourrait mettre du quartz. Au pire, à la place, on pourrait mettre du quartz. J'aurais dit. Le quartz, c'est pas mal, hein. En vrai. Bon, je vais un petit peu voir les matériaux, les amis. Les potes, on se retrouve vraiment là. J'ai tout remplacé le sol. Et je l'ai mis comme je le voulais. D'ailleurs, regardez. Là, c'est du quartz. Mais je pense que, en vrai, on va laisser comme ça en attendant. Mais en vrai, de vrai, le quartz, j'aime pas tellement, tellement, hein. En vrai, de vrai, dans mon ancienne maison, c'était de l'herbe partout. Mais en vrai, la pierre, c'était bien, hein. La pierre, c'était bien. Donc, je pense que je vais mettre de la pierre. Là, on est d'accord que c'est beaucoup mieux. Donc, aussi, regardez, la piscine, c'est de la terre au mieux du bloc que je voulais. Donc, vous savez quoi, ce qu'on va faire? On va enlever vraiment tous les blocs de terre, là, qui vont pas du tout. Et on va remplacer par des blocs. Vous allez voir, on va remplacer comme pour la piscine qu'on avait fait. Et mais pour les nouveaux abonnés, vous verrez. Mais vous allez voir, ça va être joli. On va faire un truc sympa. On va faire un truc sympa. On va mettre en gros des dalles de quartz. Pour faire, on va dire, 1,50 m de piscine. Donc voilà. Après, c'est mon idée, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire comme ça. Mettre un sol en quartz comme ceci, je trouve que c'est bien. Donc on va mettre un sol en quartz, tac tac tac, voilà voilà donc c'est bon, on va mettre ça comme ça. Je trouve que le sol en quartz, en vrai, il va super bien avec la piscine, hein. Honnêtement, je trouve que ça va bien ensemble et que pour une piscine, le quartz, y a pas mieux. Donc voilà. On va mettre de la pierre aussi là. On va reboucher avec de la pierre parce que voilà, une piscine en terre, c'est pas trop l'idéal. Et l'échelle qui va permettre d'aller à la piscine, on va la laisser. Au moins, regardez, là, l'eau, elle arrive vraiment
près de ma tête, quoi. Elle a... C'est pas 1 mètre, tu vois, je préfère plus 1m50. Donc voilà, on a mis 1m50. Je préfère largement comme ça. Donc on va remonter de là. Tac, voilà. Ah, là, là, ça me donne envie d'aller me baigner. Là, honnêtement, ça me donne envie d'aller me baigner. Ah, ça c'était pour descendre dans la piscine. Oh, bah, on va laisser comme ça alors. Regardez, comme ça, c'est bien. Et un plongeon, on va en rajouter un vrai. On va retirer ça. Plongeoir. Comme ça. Ah, bah là, c'est mieux, tu vois. Là, c'est bien. Là, vous êtes prêts, on va faire un petit plongeon. Donc, en tout cas, les poches, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez rejoindre mon don AdFocus, qui marche qu'une fois par personne et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Ou alors, si vous voulez me faire un vrai don, que vos parents sont d'accord et que vous êtes majeur, c'est dans la description, c'est mon Tipeee. Merci pour tout, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!